Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K16. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui on va se faire un petit match, tranquillou, je pense que même aujourd'hui ça va être une journée spéciale catch, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Vous me direz si les soirs de pay-per-view, bah, vous préférez ça, voilà, c'est plus sympa. D'ailleurs il y aura peut-être un live ce soir, de toute façon j'annoncerai sur YouTube s'il y a un live, ou sur Twitch. Donc pour commencer ce match, on va faire un petit Kevin Owens contre Dolph Ziggler, parce que il met en jeu sa ceinture. Et je pense que c'était plutôt sympa. Il y a ce match-là et il y en a un autre qui m'intéresse. Donc Kevin Owens, manager, non, pas besoin de manager, et contre notre ami Dolph Ziggler. Allez. Où es-tu? Hop là, voilà. Donc ce sera un match qui sera disputé ce soir. Vous pouvez bien entendu. Donc oui, vous pouvez pronostiquer qui sera le vainqueur ou pas. Voilà, si vous pensez que ça va être Kevin Owens, bah vous dites Kevin Owens. Si vous pensez que ça va être Dolph Ziggler, que ce soit sur ma vidéo ou que ce soit dans le match là, dans la vraie vie, pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu fatigué, c'est pas grave. Et on est parti en espérant faire un bon match. Par contre, Dolph, il me fait un petit peu peur là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il me fait un petit peu peur. Même si je l'aime bien. Je le trouve plutôt cool. Mais bon. Là, je vais jouer Kevin. Il faut pas que je me laisse avoir. En espérant que ce soit un beau match. Attention! D'accord. Ne vous inquiétez pas, je connais. Il me prend pour un noob. Non mais. Pourquoi tu me dis tout ça? On dirait que je viens juste de lancer le jeu. Pourtant, non. Enfin, j'espère que ma sauvegarde n'a pas été corrompue. Ah bah arrête, ça fait mal! Voilà! Tu voulais jouer au fou? Voilà! Ah bah bravo! Félicitations! D'accord? D'accord, je sais. Wow! Ah mais tu vas arrêter un moment? Voilà! Je te pète une patate! T'as une petite claque! Attention! 3, 2, 1! Voilà, lui met une patate. Il y en a qui mettent des claques, il y en a qui mettent des patates. Boum. Non. Tu ne mourras pas. Cette fois-ci, c'est moi qui vais lui montrer c'est qui le champion. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est juste pour lui montrer que tout à l'heure, ce qu'il a fait, c'était de la chance. Par contre, ouais, il y a un moment... arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi, monsieur l'arbitre. Ouais, t'as de la chance, aristocrate. Mais qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, j'ai vu les affiches de Fastlane 2016. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais à part peut-être ce match, le match de... Comment il s'appelle? De AJ Styles contre je sais plus qui... Et Roman Reigns, Dean Ambrose et Brock Lesnar. Bah le reste c'est beaucoup de matchs de diva. Je suis pas forcément super fan. C'est sympa mais non. Je pense qu'il se réserve beaucoup pour WrestleMania. Et vu le nombre de blessés qu'on a à WWE, c'est peut-être normal qu'il fasse ça. Bonjour, vous allez bien? Aïe, ah ça fait mal, non s'il vous plaît. Venez me chercher. Regardez, il y a un enfant qui est au-dessus là qui regarde. Il est triste. Là, vous pouvez laisser un like, vous aussi, si vous êtes triste comme moi. Mettez un petit like à cette vidéo. Et voilà, vous voyez. Vous me donnez la force. Et boum. Allez, reviens là. Mais non, mais je rigolais. Tu sais bien que je rigole avec toi. Je t'aime bien. D'accord. Voilà. Non, mais il voulait pas. Ah, zut. Allez. On va sur le ring, on n'est pas là pour se battre à l'extérieur. Ouais, foule, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, wesh. Pardon. Allez, on s'amuse un petit peu là. Ah, mais oh. Alors, on va voir ce qu'il lui fait quand il se met. Allez, à me contrer, hein. Ça, quoi qu'il arrive. Boum! Ça fait mal ça? Non mais je rigole, je voulais pas te blesser, il est blessé. S'il vous plaît monsieur, soyez gentil.
pas méchant, parce qu'être méchant, c'est pas être gentil. Aïe! Ouais, ça fait mal au dos. Je te comprends. Here we go, allez. Ouais, hop là. Vas-y, je t'envoie contre les barricades. Boum. 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 D'accord. Ça, il me le contrera tout le temps. Allez, tout va bien. On est reparti à 1-1. Attention! Ça peut faire mal. Attendez, monsieur. Excusez-moi, les commentateurs. J'ai besoin de récupérer votre table. Par contre, à côté, il n'y a personne. Moi, j'aurais bien voulu voir Philippe Chéreau et Christophe Ajus à côté. Voilà. Un petit DLC France. Franchement, avec plaisir. Par contre, toi... Oups. Non, non. Oh non, en plus, vers l'arrière. Ça picote. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, non, mais non, je ne suis pas une serviette. Aïe, aïe, aïe. En plus, là, les protections. Mais non, mais... Laisse-moi, laisse-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit de me laisser. Mais comme tu m'écoutes pas, bah tu vas subir mon spécial. Bah oui. Attention, boum. Et là, on va changer un peu de finisher. Tu me vois, je suis ta... Pire! Ok, ça m'a fait peur. Non, non, pas de tomber pour l'instant. Ça ne sert strictement à rien, il va se relever. J'avoue, franchement, quand il a fait cette prise, moi ça me fait peur qu'il monte tellement haut que... C'est impressionnant. Non, par contre, je voulais pas le mettre au coin, mais s'il peut le prendre... D'accord. Je vais dire s'il peut le prendre par derrière. Why not? D'accord. Tu la joues comme ça. Hein. Tu la joues comme ça. Je pensais qu'on était des amis, des frères. Que toi et moi, c'était à la vie. Bah ouais. Tu vois ce que ça fait? Comment je suis triste maintenant? Non, 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 non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, vous inquiétez pas, monsieur l'arbitre. Tout est sous contrôle. Par contre, les commentateurs, faites attention. Voilà, mais zut, je me suis trompé en fait. Il va me le faire lui. Attention. Non. Non, c'est contré ça, c'est contré. C'est contré. Non. Non, mais je voulais. Il était trop loin. J'ai du mal à juger la distance avec Kevin. J'ai du mal. Allez, là, je sens qu'il. Allez, c'est moi qui vais. Vous allez voir. C'est moi qui vais me prendre la table. C'est moi qui vais me la prendre. C'est moi. Mais... Reviens, 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 reviens. Toi, je sais que t'aimes bien sortir. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît, viens. Viens. Mais viens. Aristocrate. Aristocrate. Je t'ai dit de venir. Hop. On repart dehors. Il y a des choses que je dois montrer. Bon, j'ai pas mon finisher pour faire quelque chose d'intéressant, mais... Surtout que lui, il a son spécial. Voilà. On va lui travailler les jambes un peu. Il veut pas enlever cette table. D'accord, il veut pas l'enlever. C'est pas grave. Bon. Ah bah oui, ça fait mal, hein. Tu crois quoi? On devient pas catcheur comme ça. Oula, par contre. Il tremble. Et c'est pas une bonne chose. Aïe. Attention. Non, 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 non. Attention, on va pas par dessus. Fais gaffe. Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil. Non. Oh non, non, non. Dolph, s'il te plaît. D'accord, il a fait en vide. Pourquoi il a fait... Ah oui, d'accord, qu'il était... Très bien. Moi, tu sais, je suis tranquille. Voilà, je prends les escaliers. C'est toujours bien de prendre les escaliers et pas l'ascenseur. D'ailleurs, ascenseur, c'est le mot magique de cette vidéo. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Boum. Non. Ça, c'est la troisième fois qu'il me le contre. Mais c'est pas grave. Non, non, non. S'il vous plaît. Non, mais tu vas pas faire le tomber maintenant. Quand même pas. T'es pas un mec comme ça. Boum. Allez. On va bientôt avoir le spécial finisher. Et je pense que ce sera finishing pour lui. En plus, voilà, 102%. Vous êtes prêts? Je récupère juste un peu d'endurance.
Hop. On peut dire que c'est fini pour lui. On peut le dire. Vous pouvez le dire à voix haute. Dites-le. C'est fini pour lui. Oui, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Bon, coup d'instant pour avoir le finisher. Et je vais pas le charger là cette fois-ci. Cette fois-ci, je le charge pas. Parce que je suis un fifou de la street. Et ça passe. Dans ces moments-là, on a peur qu'il contre. Ok, j'ai fait le tomber. Il a pas accepté, c'est pas grave. Monsieur l'arbitre, 1, 2 et 3. Bon, victoire. Plutôt, je vais dire, easy. Mais on a quand même dominé. Il a réussi à reprendre l'avantage à des moments. Mais malheureusement, pas assez pour me battre et reprendre la ceinture. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve ce soir pour la vidéo entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Dean Ambrose. J'espère que ça vous fera plaisir, ce petit dimanche spécial catch. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut! There should be no doubt in anyone's mind that he's the true and deserving champion. Absolutely. What an incredible match. Well, he just showed